Et bonsoir tout le monde, et c'est encore une fois Chagar, toujours pour Play and Program, et on se retrouve, et cette fois-là, c'est pas pour The Cave, et c'est pour, vous pouvez le voir, c'est pour Dame, c'est Devil May Cry. Donc, Beat Them All, déconseillé aux moins de 16 ans, sorti aujourd'hui le 25 janvier 2013 sur PC. La version console est sortie une dizaine de jours plus tôt, mort aux consoles, vous connaissez mon opinion sur ce point-là. Donc, édité par Capcom et développé par Clock. QLOC, on va dire. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un beat'em all. C'est plus précisément une refonte de Devil May Cry, qui est une licence qui a déjà quelques années. Donc, apparemment, on revient aux origines de l'histoire du héros. Donc, je vous dis ça, mais je connais pas très bien. C'est le premier Devil auquel je joue. Donc, espérons que ça va être bien. Normalement, les beat'em all, c'est pas trop mon truc, mais bon, je me suis un peu fait la main sur les Darksiders. Donc ça devrait aller. Donc on va commencer. Oui, à la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Vous serez évincé du pouvoir, humilié et haï. C'est assez direct. Bien. Vendredi, donc. Bonne nuit, Monsieur le Président. Alors, combien, mon tendre et cruel? Plus d'un billion. Oh. Je posséderai bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde par la tête. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin à tes pieds, comme je le suis. À genoux devant toi, il n'attend plus que ton bon plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Un problème? Lequel? Le fils du traître Sparda, Dante. Lui? Il est toujours là. Les limiers le retrouveront. Ils ont bien eu Sparda et Sakata. Tu le tueras? Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains. Et je l'avalerai devant ses yeux. Charmant. Stay away, burning alive.
ben, je sens que ça va me plaire finalement. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. Abattre discrètement ce fils de pute. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Dante ! Vite, sors de là ! T'es en danger ! Qu'est-ce que tu veux ? On se connaît ? T'as été négligent. T'as laissé une trace. Et il en a après toi. Quoi ? Qui en a après moi ? Il s'agit d'un limier. Il est là. T'attire dans les limbes. Sainte tête démon. C'est trop tard. Tu vas être obligé de l'affronter. Alors, contrôle, alors blablabla, pour le combo, ouais bon, comme d'hab, on bourrine la touche, allez. Pas d'autres conseils ? Ah, salopard. Attention, hop là, hop, 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 et hop, hop. Toi, tu vas décoller! En voilà d'autres. Tant mieux, sinon ça aurait pas été marrant. Ça? Ah, merde! Ah, pas bien placé la touche. Enfin, je ferai avec. Là là là, qui est d'acheter des objets, d'accord. Il y a rien, la barrière remplie, donc on peut débloquer. Ok, ça marche pour moi. Qui a dit ça? C'est maintenant que tu me le dis. Allons-y, allons-y. C'est par là. Hop là. Oh putain, il s'auto. Non, c'est moi où ils sont accrochés à un soutif. Ouais, ouais, c'est ça. Oh,
C'est pas vrai. Ah punaise, allez, courir. Attention. Hop. Doucement. Hop. Et hop. Oh. Oh putain, allez, passe raté. Hey Bonnie, Ivory, vous m'avez manqué. Pas l'impression que ça lui fasse grand chose. De quoi m'entraîner? Timing parfait. Blablabla, sur cible unique, bien qu'il ne cause que peu de dégâts. Automatique, ok. Putain, attention, hop. Merde, raté. Allez, hop là, hop. Voilà. Bon bah ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Une âme perdue? Bon bah attends, je vais t'absoudre. Voilà, je t'absolue. Ok, ah bah attendez, j'en ai laissé derrière moi ce truc là. Ok, ça je peux pas le péter. Oh tant pis, allons-y. L'esquive, ok, donc double saut standard quoi. Attention, toi, hop là. Oh yeah, j'aime cette musique. De la violence et de la douleur, et moi j'aime ça. Enfin, quand c'est celle des autres, du moins. Allez. Toi, tu décolles avec moi. On va trancher la question dans le vif. Blablabla, tous les ennemis. Quand la barre est pleine, non, t'obtiens pas d'amélioration. Ok, mais là y'a pas de statue, y'a juste à rater. T'es mort. Trop facile. Et...
Ok. Utilise après la mort de Dante pour rester Dante. Ok. Ah mais c'est à dire que quand j'en ai plus, je... Ça se passe quoi à la fin du jeu ou il y a des checkpoints quand même? On verra bien. Ça je suppose c'est une statue du temps. Ah tiens, je peux tuer ces machins. File des points, bonheur. Ça sort un peu de santé, blablabla. Ah ok, donc faut mettre un peu la, en quelque sorte la pause pour utiliser des items. Bon, j'ai perdu un peu de vie mais je vais pas m'en servir maintenant. Alors amélioration, capacité. Double saut, esquive. Dégâts accrus, spirale mortelle, à deux fois, pause trois fois, ah tiens ça je vais le tester, furie aérienne, bon bah on va juste prendre ça, on va pas se compliquer la vie, allons-y, tiens, succès déverrouillé, c'est l'heure au boulot, au revoir. Ok, donc voyons voir, donc c'est deux coups, une pause, puis on bourrine. Ok, un pec. C'est pour manteau? Comment il est arrivé là? Mortel. Flash info, nous sommes en direct de notre hélicoptère. Steve, je n'en crois pas mes yeux. Tu m'étonnes. Ennemi. Bonheur. Attention, on est parti. On réalise le dernier au sol. Puis on s'occupe des aériens. Oh merde, fais l'idiot là. Oh et puis merde. Ah non, toi tu m'auras pas comme ça, connard. Mais sur quoi tu tires là? War, oula. Bon allez toi, tu m'accompagnes là-haut. Ah, je peux faire ça. Moi savoir. Voilà, d'accord, lui il me balance des mains de pierre. Ok, zone fermée, je peux pas avancer par là. Ok, passage dégagé, je peux pas péter ces machins. Bon allez, on s'arrache. Là, les pauvres gens sur le terre doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Ils voient les objets se tordre, se déplacer sans raison apparente, sans rime ni raison même, j'ai envie de dire. Dégage.
c'est pas, je crois que ouais, on est rentré dans la maison des horreurs locale. Oula, wow. Sauf que là, c'est une vraie horreur. Je pense rien à cette simple tableau. C'est pas marrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, donc apparemment on peut débloquer des clés pour ouvrir des endroits bonus. Okay, miroir. Ah, c'est vrai, pourquoi on se contente pas juste de le tuer? Par ici les sous-sous. Ok, passage condamné. Donc les âmes en peine, on peut pas les tuer. On peut pas les tuer à l'arme à distance. Bon, que des passages bloqués. Ah, tiens, voilà une autre. On continue. Par ici, petit. Par ici, par ici. Le bon argent. Bien. Pas bon. Ouais, c'est ça. Les eaux affreux. On prend un peu de recul. Et on saute. Petite esquive. Esquive. Ah merde. Quel con, j'ai sauté dans les rouages. Toi, tu m'accompagnes là-haut. Ok, allez. Wow, explosé par les rouages. Mort violente. Voilà. On attend qu'il repasse. Et on saute. On attend qu'il se sépare. Non, t'es sérieux qu'il va falloir que je me faufile là-dedans? Merde, y'a pas d'autre passage? Ah bah de l'autre côté si je veux, mais putain c'est ric-rac. Bon attendez, réfléchissons. J'ai pas de touche pour utiliser. Est-ce que je peux pas? Bon, je suis passé. C'est pas comme ça que je comptais faire, mais je suis passé. Là, wow, wow, wow,
Deux secondes. Alors, amélioration. Fessor. Houlette, c'est quoi ça? Onde de choc, maintenir puis relâcher. Allez, je prends ça. Excusez-moi, j'aimerais prendre des points. On sait jamais quand est-ce que je risque d'en avoir besoin. Là, il faut mieux que j'aille de marcher dessus, sinon ça risque de s'abattre sur ma tronche. Ouais, j'en fais juste encore. Il en reste plus de deux. Dépêchons. Et c'est chiant, mais on sait jamais quand est-ce qu'on risque d'avoir besoin de paume. Finir. Ah si. Moi aussi. Bon, allons-y. Ok, bon bah alors déjà, je me posais la question, où suis-je censé... Hop. Où suis-je censé frapper? Apparemment... Aïe, connard. Je peux frapper n'importe où, parce qu'en général dans les beat'em'up c'est une question qu'on doit se poser. Et merde. Attention, petite pause. Bâtard. Putain mais... il est pas rapide mais s'il est endurant le bâtard. Bordel. J'ai envie de prendre un peu trop sinon je vais rester. Je vais attaquer. Allez, faut mieux esquiver trop souvent que pas assez. Wargle, j'ai vu trop tard la marque au sol. Mais petit enfoiré. Ah oui, c'est vrai, immunisé aux balles. Ah non, ça va. Hop là. Allez vite, on fonce. Allez. Merde. Allez, coucher. Putain, c'était sérieux qui m'a touché là. Wargle. Ok, on va pas faire l'idiot. Objet. Voilà, je me sens mieux. Oh merde. Direct pour manger un quoi là, sortie. Ah, les beat'em all, faut décider que je reprenne la main. Et un bout de temps que j'ai plus joué à Darksiders, moi aussi. C'est le seul beat'em all pratiquement auquel je joue. Même si le scénario est franchement pas terrible. Petite pensée pour THQ d'ailleurs. Rest in peace.
Oula. Oula. Putain, merde. What? Tata. Ok, il y en a qu'un, c'est toujours le même qui revient. Bon, allons-y. Finissons-le. Putain, mais c'est pas vrai. Non, mais je suis si rouillé que ça. Mais c'est pas vrai, mais... Mais crève. Crève, 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 petit fils de... Putain, mais... Ah. Mais j'ai plus de réflexe ou quoi, moi? Oh merde. Oh merde. Targle. C'est pas vrai. Ah, oh, je suis mauvais. Et un ordre de gâcher pour un boss à la con. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Ça va, Dante? Comment tu connais mon nom? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? Ouais, mais je t'avais rien demandé. On sait tout de toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet? C'est mon boss. Génial. J'ai hâte. Nous recevons à l'instant ce qu'on parle d'un vrai d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. Bon, ben voilà, début du jeu bouclé. Putain, ah, j'ai vraiment perdu la main. Au début, ça va, ça allait pas si mal, j'arrivais bien à esquiver, mais sur la fin... Oh, punaise. Bon, ben, crâne d'or de gâcher pour rien.